بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Lors de la dernière séance nous nous sommes intéressés à une citation de l'imam Shafi'i qui dit رأي صواب يحتمل الخطأ Mon avis est juste mais est susceptible d'être faux ou bien peut-être porteur d'erreur « la vie d'autrui, la vie de mon adversaire ou la vie de mon vis-à-vis -vis est faux d'entrée de jeu, mais est susceptible d'être bon ou bien peut-être porteur de, de vérité. » Pourquoi a-t-il dit cela comme nous l'avons expliqué la dernière fois Parce que euh, si, si je pars du principe que ce que je dis... Et strictement, on va dire conforme à la réalité, à la vérité, cet avis devient juste pour moi. Et tout avis qui viendrait le contredire deviendrait faux à mes yeux. Mais l'imam chef, il nous apprend qu'il faut rester dans une réserve qui, qui, nous, qui nous maintienne dans, dans, dans une norme acceptable en société. C'est-à-dire que ce que je dis, je le dis, je le dis en toute humilité, en pensant que c'est vrai. Et ça s'arrête là il ne faut surtout pas faire le jeu de certains musulmans d'aujourd'hui qui sont allés jusqu'à se déclarer comme étant le groupe qui, 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 qui va connaître le salut dans l'au-delà, alors que personne ne peut jurer de rien. Et le messager de Dieu, dans ses suppliques quotidiennes, demandait à Dieu de le maintenir justement sur le droit chemin en disant, entre autres, au toi qui, qui, qui fait que les cœurs sont changeants ou soient changeants, euh, fais en sorte que mon cœur persiste justement sur ce qui est souhaité en cette religion. La, 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 lors de l'émission précédente, nous avons expliqué en quoi consiste cette citation de l'Imam Shafiri. Aujourd'hui, j'aimerais juste revenir à à deux anecdotes. La première vient du Coran. C'est entre deux prophètes, Daoud et Sulaiman, a. des brebis d'un groupe sont entrés de nuit saccager un vignoble. Le lendemain, les propriétaires du vignoble sont venus porter plainte dans, dans, la, dans la cour même de David, a. et David a donné en réparation le, le vignoble, euh, plutôt les, le, le troupeau de, de moutons, au, prie, au propriétaire du vignoble. Sidna salam avait mieux que ça. Il a proposé que les, 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 les vignerons prennent le, le cheptel, euh, profitent de son usufruit, la laine, le lait des brebis, etc., pendant une année, tant durant lequel les, les, les éleveurs de, de ce fameux cheptel devaient remettre en l'état le vignoble, et au, au, au bout d'une année, chacun restituerait à l'autre son bien. Et les deux parties seraient gagnantes. Les éleveurs ne perdraient pas tout, et les vignerons récupéraient leur, leur, leur vignoble. Et, et Dieu a salué justement cette, cette manière de voir de Suleiman en disant hamna souleyman en parlant de cette affaire, nous avons permis à Sulaiman de la comprendre ou de l'aborder mieux que son père. Et les, aux deux, nous avons donné force de jugement. La deuxième anecdote est celle de, de, de Bani Quraïda après la bataille des coalisés quand le messager de Dieu a dit Al « Que nul d'entre vous ne prie, ne, ne fasse la prière de l'Asr qu'à Bani Quraïda. » En cours de chemin... « La prière de asr a sonné ». Une partie a dit « Nous allons faire la prière ». L'autre a dit « Non, le messager de Dieu nous a dit que nul d'entre vous ne fasse la prière de asr qu'à Benir Les premiers ont dit « Oui, mais il voulait juste nous faire comprendre qu'il fallait faire diligence, arriver le plus tôt possible ». Les autres ont dit « Non, nous avons, nous, nous nous fions à la lettre du texte. Nous allons rester, faire la prière une fois à Benir Donc une partie a fait la prière. Pendant le chemin, et l'autre s'est tenu à l'écart. Arrivé à Beni kouraïda aux abords de la tribu, ou des enceintes des murs de Beni kouraïda le deuxième groupe a fait la prière, après, après coup, on va dire. Et quand le messager de Dieu salam, est arrivé, bon, tout le monde est allé lui faire part de ce qui s'était produit. Il n'a eu, mais alors, aucune réaction. Il a approuvé les deux avis en quelque sorte. Ibn Hazm a dit qu'il était un dahiri, c'est-à-dire il faisait partie d'une école qui se fiait, rigide, qui se fiait à la lettre du texte. Il a dit J'aurais été parmi eux, j'aurais fait partie du deuxième groupe. Donc j'aurais prié à Bani bon, Il s'agit d'Ibn Hazm, un monument. Quoique là encore, je suis désolé pour Ibn Hazm, le messager de Dieu n'a rien dit. Alors, à mon sens, personne ne devrait émettre de, de réflexion à ce sujet. Mais quand on voit de nos jours des, 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 des petits, entre guillemets, faire ça, franchement, nous sommes loin de ce qui était la norme chez les premiers musulmans. Donc il faut toujours garder une certaine humilité et une certaine norme et être pondéré dans ses propos. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au wa revoir.